Bon, nous voilà de retour sur Mahi pour finir quelques installations pour la saison 2024. Alors, j'ai démonté, j'ai pas pris d'image, mais j'ai démonté, je vais retourner la caméra. Voilà, j'ai démonté le chauffe-eau qui est normalement là-dessous. Vous voyez, il n'est plus là. Là, effectivement, j'ai mis des bouchons. Ici, c'est carrément une pinoche, mais là, normalement, c'est le départ de l'eau, donc il ne devrait rien sortir. Il y a des bouchons que j'ai mis à certains endroits, parce que je n'arrivais pas à réamorcer. En fait, il y avait un problème à la douchette. J'ai une douchette qui part, la pompe est... Voilà, là, en fait, la réserve d'eau, elle est là-dessous. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. Et en fait, la pompe, je sais pas, elle est là, peu importe. Je vais pas vous montrer parce que vous voyez, il y a beaucoup de bordel. La pompe, donc, elle est là, mais ça part vers la cuisine, par là. Et là, il y a un autre tuyau qui part vers la douchette qui est dans la jupe, là-bas, à l'arrière. À part que je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, dans la jupe, ça fuyait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Le chauffe-eau, je l'ai démonté pour le vérifier parce que je pensais que c'était lui qui fuyait et finalement, je suis plus aussi sûr de ça. Au niveau du moteur, ben, comme le chauffe-eau marche aussi avec le circuit de refroidissement, je l'ai chanté, on le voit ici. J'ai chanté le départ et le retour du liquide de refroidissement vers le chauffe-eau. Les tuyaux, ça sont là sur le côté, les tuyaux normaux. Voilà. Donc j'espère que la partie refroidissement sera réglée. Pour le moment, j'ai l'eau qui fonctionne bien, mais juste dans l'évier de du coin cuisine. Je n'ai pas d'eau, en fait. Dans la salle de bain. Mais bon, on y reviendra. Pour le moment, c'était pas le plus urgent. Là, je suis dans les fonds du bateau, voyez, par la petite trappe qui est là, pour installer le régulateur, le capteur, pardon, d'angle. Le capteur d'angle. Alors, vous voyez, ici, a été installé le vérin. Alors, est-ce que je vais pouvoir allumer la lumière? On va essayer. Voilà. Je filme avec le téléphone, donc vous m'excuserez. Voilà, le capteur d'angle a été installé. Le vérin de puissance a été installé. Vous voyez, une planche a été stratifiée, installée ici et stratifiée. Et le vérin a été fixé dessus. Donc ça, c'est... Le vérin, vous voyez, il y a un peu d'humidité, j'arrive pas à comprendre, il y a beaucoup d'humidité dans la jupe. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu hier, que j'ai découvert hier. Je ne sais pas trop comment faire. Pour le moment, rien n'est relié. Ici, il y a, je ne sais pas s'il sera à la bonne place, mais pour le moment, je l'ai fixé là. C'est le compas. Et puis là-haut, vous le verrez peut-être. Ici, pour le moment, le calculateur. Voilà. Ici, le vérin que vous voyez et qui est installé sur un bras de mèche que j'ai fait faire. Est-ce que j'arrive à voir la mise au point? Voilà. Et donc, ça vient se prendre ici. Et là, donc, j'ai installé ce matin le support, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ce qui va communiquer avec le capteur d'angle qui est ici, là, voilà, avec la petite réglette derrière, voilà, qui est là. Et donc, mon problème maintenant, c'est d'installer ce capteur d'angle. Donc, et pour ça, le capteur d'angle, il va falloir que j'aille le mettre là, là, par là. Donc j'ai préparé la perceuse. Je vais pas pouvoir filmer hein, parce que j'ai pas 50 mains. J'ai préparé la perceuse. J'ai préparé un tournevis.
Voilà, je vais tenter. Il faut que ce soit parallèle. Donc, je vais pas pouvoir vous filmer ça, mais je referai quelques images après. Bon, voilà, alors j'ai fixé, c'est compliqué de montrer, mais j'ai fixé le régulateur d'angle, là, voilà. Alors maintenant, vous voyez cette tige, il va falloir que je calcule la bonne hauteur, enfin la bonne longueur, pardon, hein, pour les mouvements d'image. Voilà, il va falloir que je calcule la bonne hauteur ici. Voilà. Alors, et le bon angle. Donc là, j'ai essayé de mettre la barre droite. Ben, on va voir. Je vais mettre un bout de Chatterton pour savoir où je dois couper. Là, je vais mettre l'autre côté du support là, pour la boule. Voilà. Et derrière le capteur d'angle, là-bas, derrière, ici. Alors, je vais essayer de filmer autrement. Voilà, derrière le capteur, en fait, vous allez voir, il y a une petite marque ici. Là, vous la voyez, la marque là au milieu, qui doit correspondre effectivement à l'autre marque qui est sur le support. Là, le capteur d'angle est bien droit. Va le tenir comme ça, Charles. Ils sont gentils, hein, quand même, chez Raymarine, mais c'est pas gagné parce que le ressort, pouf, il te ramène le capteur comme ça. Hein. Donc, bon. Bah écoutez, hein, on va bien voir ce que ça donne. Bon, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Allez. Et puis désolé pour toutes les images mobiles là qui doivent vous donner mal au cœur. Bon, j'ai réussi à tout installer. Donc ici le capteur d'angle qui est là. Voilà. La barre, enfin la mèche de safran, pas la mèche, la, enfin bon, ça m'échappe là le nom, mais le déport là. Alors, si je fais tourner le secteur de barre, voilà, tout se passe bien, ça repousse bien le capteur d'angle. Voilà, là on a les marques. Quand je remets la barre à peu près droite. Ah putain, c'est compliqué à manœuvrer à la main. Voilà, à peu près. Les témoins là-bas semblent s'aligner. Je vais essayer d'aller voir du côté de la, comment, alors voilà, ça c'est le bordel, c'est que plus petit à petit, ben on n'a pas les outils qu'il faut, donc on en ramène, et là c'est le bordel, il y en a partout. Donc j'ai récupéré un sac, voilà. Alors je vais aller dans le coffre du cockpit. Ah, je suis pas encore allé dans le coffre. Un petit tour du port du Douai. Très calme. Très très calme en ce... je crois qu'on est le 13 janvier. Voilà, très calme. Maintenant, il y a quand même un peu de monde, puisque c'est samedi et que bah, du coup, il doit y avoir des pêcheurs. C'est marée haute. Il doit y avoir des pêcheurs, qui sont sortis. Il y a quand même un peu de monde au Douai, mais ce midi en partant, parce que j'avais quelques courses à faire, il n'y avait pas un chat, j'étais tout seul. Bon, alors le coffre il est là, petite anecdote que je vous rappelle quand même au passage, vous voyez ici, là, c'est de bien accrocher votre capot quand vous descendez travailler dans un coffre. J'avais lu ça dans une... Et alors ça c'est toujours le bordel, hein, quand on travaille dans les coffres, il y en a partout. Et donc, quand je suis... j'avais lu ça dans un reportage, je ne sais plus, Wall Magazine ou quelque chose comme ça, où
Alors ici, il ne faut pas sauter parce que sinon ça casse tout là. Et une personne qui avait été travailler dans son... Alors voilà. Dans son coffre, et le coffre s'était refermé. Voilà. Et donc il est resté quelques heures comme ça, enfermé dans le coffre. Et moi, si mon coffre se refermait, j'aurais le même souci. Vraiment. Donc, le secteur de barre, il est là. Et le capteur d'angle est devant. Voilà. Alors, j'essaye de trouver le meilleur moyen d'éclairer. Je vais pas voir beaucoup mieux, je pense. Il faudrait que j'arrive à passer ma tête là, là où il y a la lampe, là, pour essayer d'aller voir derrière, là, comme ça, en plongée, si les... quand la barre est droite, les capteurs, les témoins sont bien alignés. Mais bon, grosso merdo, ça a quand même pas l'air trop mal. Voilà, normalement, là, la barre est droite. J'ai emmené le téléphone. Je vais essayer de voir si ça semble bon ou pas. J'essaye avec un angle différent. Alors je me suis dit que j'allais procéder autrement. Donc là, j'ai aligné les témoins. Et on voit que la barre, elle n'est pas vraiment droite. Donc là, la petite corde est censée représenter quand la barre est droite. C'est pas une science précise. Mais là, manifestement, c'est pas bon. Donc il faudra que je modifie légèrement le réglage du capteur d'angle. Je vais aller voir maintenant à la mèche de safran. À la... Oh, c'est un... au bras de mèche. Voilà, cherchez le bras de mèche. Je vais aller voir comment c'est foutu. Et pour mieux me rendre compte. Et je pense que c'est que la barre est un petit peu longue. La barre que j'ai... qui relie le capteur d'angle et le bras de mèche. Et donc, c'est l'hiver, hein. j'ai le convecteur. Donc je vais pas pouvoir, il faut que j'utilise mes deux mains. Et donc on va aller voir ça en bas ensemble, et je pense qu'il faudra que je recoupe un tout petit peu. Retour dans l'antre des fous. Ah putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et voyons comment est. Bah écoutez, finalement, il n'y a quand même pas une si grande différence. C'est compliqué à se rendre compte. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Il y aura aussi moyen, effectivement, ici, je le vois là, de régler, on voit l'unité de puissance, la longueur de l'unité de puissance. Il y aura la petite tige, éventuellement, au pire, on peut dévisser un peu pour la rallonger ou couper un petit peu si elle est trop longue. Mais grosso merdo. Et eh ben, je suis pas si mécontent de moi. Là, je vais essayer de mettre une petite marque blanche sur le côté. Là, maintenant que c'est bien aligné, je vais mettre une petite marque blanche. C'est con, j'ai pas de Posca pour faire ça. J'irai peut-être acheter un Posca chez. Alors les Posca, c'est des feutres acryliques là utilisés pour les beaux arts. Et puis je vais faire une petite marque sur le côté. Du capteur d'angle, comme ça je le verrai, je pourrais le voir d'ici. Voilà, puisque là je suis sûr que c'est aligné là-bas derrière. Ah, c'est une bonne idée ça.